Retrouvez le débrief de JC sur la page OM Flash News. Salut les amis, donc bienvenue pour ce dernier débriefing de la saison. Ben voilà, on a le sourire, l'OM est qualifié pour la Ligue des Champions. L'OM finit deuxième. Voilà, ben c'est bien tout ce qu'on avait prévu, tout ce qu'on avait dit. Les Monégasques allaient bien lâcher un match avant la fin de la saison. Et ben ils ont lâché le dernier dans la dernière minute. Les Lensois, ben ils ont fait le taf. On savait qu'ils avaient envie de barrer Monaco de cette qualification. Parce que la saison dernière, les Monégasques avaient empêché les Lensois d'être européens. Donc on va remercier les Lensois. Ensuite, on va remercier le public de l'Olympique de Marseille, des supporters exceptionnels, des stades toujours pleins, des supporters qui se déplacent quand on les autorise et qui ne font jamais le bordel. Donc un grand big up aux supporters de l'Olympique de Marseille, que ce soir je désigne champion de France, parce que c'est les meilleurs, il n'y a rien à dire. Voilà les gars, merci à tous les groupes de supporters qui nous font vivre toujours des moments exceptionnels, avec des tifos exceptionnels. Merci à nos joueurs, merci à nos joueurs qui ce soir ont sorti le match qu'il fallait. Ils ont gagné 4-0, un match où tout le monde s'est donné à fond. Un grand merci à Jorge Sampaoli. Donc merci à toi coach, tu as fermé beaucoup de bouches ce soir. Tu as fermé des gueules qui t'ont condamné depuis longtemps. Donc merci à toi mon ami, tu le mérites parce que tu as repris un club qui était à la déroute la saison dernière. Dans une implosion totale au niveau de la commanderie, tu as eu les couilles de venir à Marseille, tu t'es imposé et certains ont voulu te critiquer mon ami, mais tu nous offres ce soir la Ligue des Champions. On n'est pas là pour écouter les scientifiques du football qui te critiquent, hein. Toi c'est toi le professionnel, c'est toi le coach et ce soir tu as fermé des bouches, merci mon coach. Voilà, merci le coach qui nous qualifie pour cette Ligue des Champions. Merci à Pablo Longoria qui a fait un boulot encore extraordinaire cette saison, qui nous a recruté avec Sampaoli des joueurs. Bon, il y a eu quelques erreurs de casting, mais dans l'ensemble, ça a été un super mercato. Voilà, donc le seul que je ne remercierai pas, c'est Macourt. Macourt, bon, il est temps que tu files les clés du club, il est temps que tu nous donnes, que tu fasses donner à quelqu'un d'autre les moyens de nos ambitions. Parce que Marseille, tu ne mérites pas Marseille. Marseille mérite autre chose. Marseille, c'est une ville de football. Marseille, c'est une ville qui mérite d'avoir une grande équipe. Donc cette équipe-là, elle est déjà belle. Mais on doit l'améliorer avec des grands joueurs qui doivent s'ajouter à cet effectif pour nous permettre de faire une belle Ligue des Champions l'année prochaine. Et pourquoi pas de donner du fil à retordre au PSG de Mbappé. Et pourquoi pas leur jouer le titre la saison prochaine. Voilà les amis, ce soir on est tous contents, on est tous heureux. Notre Olympique de Marseille retrouve la plus prestigieuse des ligues, c'est-à-dire la Ligue des Champions. Donc chose qui va nous faciliter notre mercato, parce qu'en finissant second, tu vas pouvoir recruter des joueurs d'un autre calibre, si tu as un peu les moyens. Donc voilà, merci l'OM, merci à tous, merci, gros big up. Une pensée pour tous ceux qui nous ont quittés, une pensée pour René Malleville, une pensée pour le boss, une pensée pour Pape Diouf. Voilà, merci à vous les gars, même que vous n'êtes plus là, on a toujours une pensée pour vous, vous qui étiez de très grands supporters de l'OM, de très grands présidents de l'Olympique de Marseille. Voilà les amis, tout est ouvert du côté de Marseille, on attend la saison prochaine, on attend le mercato. Merci à tous les gars, n'oubliez pas de vous abonner à OM Flash News donc sur YouTube, vous cliquez sur la petite cloche pour vous abonner à la page Facebook, vous abonner à la chaîne Twitch. Voilà les gars, merci à tous, merci de nous avoir suivis tout au long de cette saison pour ces débriefs. Je vous embrasse tous les amis, je vous souhaite de très 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 bonnes vacances. Et comme on dit, à l'année prochaine pour tout ce qui est débrief. Bye à tous et allez l'OM les gars, ciao ciao. Retrouvez le débrief de JC sur la page OM Flash News.